Bonjour, je m'appelle Nicolas Tchidémian, j'ai 44 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis entrepreneur et avant tout profondément républicain. Que faire dans un pays où tout est bloqué, où on m'empêche de travailler, on m'empêche de m'exprimer, où je ne vois pas d'avenir? Eh bien, j'étais sur le point de partir de la France quand un jour, je rencontre sur BFM l'intervention de Denis Père qui me parle de son mouvement Nous Citoyens. Et là, je me dis, Nous Citoyens, en réponse à moi président, c'est tout à fait ça, la société civile qui se lève, bingo, je décide d'y aller avec un ami, je prends mon train, je viens à Lille, je vais à Paris et je propose mes services à Nous Citoyens en tant que simple adhérent. J'ai participé à 3 élections. Les européennes, les législatives de Valenciennes et enfin, les plus importantes avec une liste 100% de citoyennes, les élections régionales de 2015. Cela m'a permis de voir la croissance de Nous Citoyens dans le Nord-Pas-de-Calais puisque nous étions au départ, on va dire, quasiment 2 et nous sommes aujourd'hui plus de 850 adhérents avec une équipe régionale qui s'est étoffée et plus de 25 relais départementaux. Mes priorités des priorités, c'est de réconcilier la société civile, nous, avec les élus qui vont rendre possible le changement. Ces élus, nous les rencontrons tous les jours. Il faut faire la distinction entre les politiques qui ont détourné le pays et les élus dont nous avons besoin. Je vois dans les yeux des gens, enfin, ils y voient une lueur d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet économique crédible, parce qu'il y a une méthode crédible, parce que Nous Citoyens n'est pas là pour casser la société, Nous Citoyens est là pour réconcilier les gens, réconcilier la société civile avec les élus. Nous Citoyens apportent enfin un vrai projet, digne de la France, digne de nous. Et si Nous Citoyens me donnent cette possibilité de combattre, de faire en sorte que la France fasse partie des pays gagnants, eh bien moi j'y vais. La société civile a besoin de gagner. Il ne s'agit pas de rêver que la société civile aille au pouvoir. Il s'agit de l'aider à accéder au pouvoir. Je veux absolument contribuer à ça en étant sur le terrain, et en m'assurant que cette stratégie d'avenir est pensée par le terrain et avec le siège. Nous Citoyens, c'est avant tout des grandes valeurs, des grandes valeurs de bon sens, d'écoute, qui se reposent sur la confiance. Mais la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est de pouvoir se dire que tous les Français ont du talent et que c'est en faisant émerger ces talents de ceux qui veulent bien le faire que l'on va gagner. Je n'ai absolument pas peur de l'avenir. Je suis donc candidat à la vice-présidence de Nous Citoyens pour vous représenter. Je compte sur vous, comme vous pourrez compter sur moi.